Nous allons applaudir et accueillir Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Bonsoir Tarbes. Quel accueil. Ça vous plaît pour l'instant? Grave, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. On a du monde, on a une belle photo de mariage. Ouais. Ouais, déjà on était un peu dans l'ambiance à l'entrée là, je pense qu'il y avait pas mal d'entre vous qui étaient à l'entrée sur la photo de famille. Donc on se fera une bouffe chez moi la semaine prochaine. Un petit mot sur ce premier film quand même, Tarek. C'est la première fois que vous passez derrière la caméra. Ouais, pas derrière Philippe, mais derrière la caméra. Ouais. Aussi derrière Philippe. Non, ouais, je suis passé derrière la caméra pour la première fois. Et écoute, c'est beaucoup de boulot, mais c'est très kiffant. Voilà, donc j'ai pu travailler avec les copains, donc ils m'ont fait ce plaisir et j'en suis très content. Ouais, parce que outre Philippe, il y a plein de second rôle aussi, je vous le disais, qui sont là, qui sont très présents, qui apportent aussi beaucoup au film. Et c'était important aussi d'avoir un petit peu le reste de la bande autour de vous. Ouais, mais ça se fait naturellement en fait, on le fait pas, on n'écrit pas des rôles juste pour intégrer ses copains, non, faut vraiment que ça serve à l'histoire. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de mes copains dans les second rôles, notamment Julia Arruti, Charlotte Gavris, il y a David Marseille, il y a plein de comédiens et ouais, ça fait plaisir d'être, et c'est rassurant d'être entouré de ses amis. Et Philippe, quand Tarek vous a dit, le film tu vas devoir m'épouser, pouvoir découvrir peut-être de nouvelles sensations? Il était content, il était très content. Les nouvelles sensations surtout. Non mais, parce que le cuir vous va très bien. Mais déjà, moi je suis très heureux que Tarek fasse son coming out à travers ce film. C'est très important, voilà, il rêvait, parce que en fait dans Babysitting 1, on avait une scène où on devait se faire un bisou. Et je sais que lui avait beaucoup aimé cette scène, et il avait apprécié. Et maintenant il en fait un film carrément où il veut m'épouser. Donc voilà, c'est courageux, de nos jours c'est courageux. Bravo Tarek, on peut t'applaudir. Bravo pour ce coming out. Bravo Tarek. Est-ce que c'est facile de passer dans le poste de réalisateur? Tu veux dire entre nous? Oui, entre vous. Justement. Non, entre vous déjà. Encore une fois, c'est très naturel entre nous. On se dit les choses et que ce soit moi qui soit comédien ou lui qui est juste comédien, voilà, on est au service de l'autre, tout en, en sachant que la personne elle peut faire des propositions ou t'aider ou quoi, parce que vraiment on va dans le même sens. Alors c'est une comédie, moi j'ai envie de dire que c'est une comédie un petit peu sentimentale, parce que j'aime. Moi j'ai envie de dire que, est-ce que vous êtes réellement marié? Non. Bon ben on va rectifier le tir de suite, hein, parce que ça va pas ça. Vous nous parlez de mariage depuis que vous êtes arrivé, on fait des jolies photos, et vous êtes même pas marié. Je suis marié au bled. Moi j'ai vraiment changé ça. Mais pas tard. Je vous demande d'accueillir monsieur le maire de Las. Les garçons, prenez place. Bonjour. Monsieur le maire, vous êtes très heureux. Bien. On m'a dit qu'il ne faut pas perdre de temps. Alors on va mettre la mariée Philippe ici à gauche. Ah, c'est moi là. Le marié Tarek ici à droite. Ouais, pour que... Oh là là, ça écrase ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis un vrai maire, mais là on va faire un mariage un peu rock'n'roll. Mais on va le faire bien quand même. Donc j'ai besoin des témoins de la mariée, s'il vous plaît, que vous pouvez applaudir. Et des témoins de la mariée accompagnés des parents qui vont porter les alliances. Voilà. Merci. C'est maintenant qu'on doit jeter le bouquet? Non, on ne jette rien du tout. La maman peut venir à côté de moi. Et vous êtes la maman de qui? De la mariée ou du marié? Je ne sais pas du tout. Bon, la maman des deux. Restez à côté de moi. Monsieur avec la petite bite, les personnes handicapées au premier rang peut-être, parce que c'est quand même un problème si vous êtes derrière. Venez avec la carte. Voilà. Il faut que le mariage soit bien fait. Alors, on est parti. Nous allons procéder au mariage de Philippe Lachaud et de Tarek Boudali. Je vais vous faire la lecture des droits et des devoirs des époux. Conformément à la loi, voici les articles du Code civil que toutes les personnes mariées ici connaissent par cœur et n'ont pas oublié.
des droits et des devoirs des époux, respectifs des époux. Article 212, Philippe Tarek. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, décale un peu, j'ai plus à lire. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, elles y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Enfin, article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Donc il n'y a pas d'obligation de coucher ensemble déjà. On n'en est pas là. D'accord. Vous n'êtes encore pas mariés. Alors là, moment d'émotion et de silence dans la salle, puisque c'est le moment le plus important de cette cérémonie de mariage. Philippe Lachaud, consentez-vous à prendre pour époux Tarek Boudali? Moi, je pense qu'il ne faut pas se dérober. Eh, mais tout le monde vibre là, en plus. Non, attendez. Je pense qu'il ne faut pas se dérober, parce que de ce oui dépend le succès de ce film qui va faire plus de 8 millions d'entrées. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il se marie ou pas? Oui. Vite, consentez-vous à prendre pour époux Tarek Boudali, ici présent? Oui. Applaudissements. Tarek. Soyons sérieux, c'est pas qui écrit des films à la con comme celle-ci. Tarek. Mais non, regarde. Tarek Boudali. Bah, mais on n'aurait pas pu faire avec les prénoms des. Tarek Boudali. Consentez-vous à prendre pour époux Philippe Lachaud? Oui. Que dit la salle? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Sous vos applaudissements. Alors, c'est pas tout à fait fini. Attendez. C'est incroyable. Merci Olivier. À chaque fois tu nous fais. Non mais vraiment, à chaque fois qu'on vient, tu nous fais des super surprises. Là, le magnéto, je sais que vous êtes cassé la tête. On renoue à chaque fois. Donc, merci vraiment. Merci vous aussi pour votre accueil. Nous êtes dépassés pour notre mariage. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vraiment. Alors, juste, dernière chose, là, avant qu'on parte. J'espère que le film va vous plaire vraiment. Donc, comme on a pour habitude de dire, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Par contre, si le film ne vous a pas plu, ben, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Gros bisous tard. Merci. Gros bisous. Merci à Philippe Lachaud et à Tarek Boudali. Et merci à toute l'équipe également du Méga CGR de Tarbes qui s'est mobilisée pour vous.